Bandeko Balandia, Congo Live Télévision, c'est pour nous encore l'honneur de vous savoir nombreux en train de nous suivre depuis la diaspora. Vous êtes à Gemena, vous êtes à Kananga, vous êtes à Lomami, vous êtes à Kwango, vous êtes à Kwilu, Congo. Pourquoi pas Maindombe, Bandundu, depuis Kinshasa, Petozoloba, Matondo Mingi, Nabayenyo, Sobazulanda, Bissou, Namukolo, Mwalelo, mais également Matondo Mingi, Nabatu, Oyo, Bazana, Katia, Est, la République, cette population aujourd'hui qui semble perdre l'espoir face à ces atrocités de la guerre. Vous êtes nombreux en train de nous suivre, nous voici encore de nouveau pour ces nouveaux décryptages. Donc, sur Congo Live Télévision, à ce jour, nous recevons M. Christophe Mouissa, qui est acteur de la société civile, activiste des droits humains, Mouzalendo de nature, mais également un natif du Kivu. M. Mouissa, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous suivent sur Congo Live Télévision. De partout où ils sont, je les salue de tout cœur. Et je les adresse encore mes salutations patriotiques. Ici, on parle, au début de cette émission, on aimerait bien marteler un peu sur la situation de l'Est de la République. Mais avant, on va commencer d'abord avec, sur la même situation, l'actualité sur l'étendue de la ville de Goma. C'est quoi l'actualité? Alors, on ne peut pas détacher la ville de Goma de la situation sécuritaire de toute la province. Ouais. Et il faut préciser que ça fera aujourd'hui, en tout cas près de 8 mois, que toute la ville est maintenant enclavée, asphyxiée par les terroristes du M23 qui ont été appuyés par l'AFC de Nanga et le Rwanda et l'Ouganda. Mais la ville de Goma, comme vous savez, que c'est une ville qui est caractérisée par une forte capacité de résilience. Nous continuons à résister parce qu'on pensait que tout en nous asphyxiant sur les plans socio-économiques, en tout cas, les gens pouvaient se révolter contre le gouvernement. Mais malgré tout, nous continuons à rester confiants et nous refusons d'être esclaves du Rwanda, d'être esclaves de ces M23 qui sont utilisés par, à un certain moment, nos jeunes compatriotes qui sont utilisés par le Rwanda et l'Ouganda. Et ils pensaient que nous pouvons renoncer effectivement aux valeurs républicaines, notamment cet état de droit où les pouvoirs s'arrachent par le processus électoral et non par les armes. Et du coup, comme cette carte vient d'échouer, ils ont barricadé la route maintenant vers le site Kivu, vers Minova, passant par Chacha. Ils ont pris Masisi, ils ont déjà pris Rutshuru, c'est-à-dire aujourd'hui la ville de Goma est isolée de toutes ses voies de ravitaillement, des denrées alimentaires. Et voilà, nous sommes là. Nous continuons à vivre avec les moyens de bord. Dans cette résistance, nous avons un flux de déplacés qui sont venus de ces deux territoires que je venais de citer ici. Et du coup, malgré toute cette situation, en tout cas la ville de Goma continue à résister, continue à garder son calme avec son vaillant peuple, avec ses gouvernants sous état de siège, il faut le préciser. Mais nous continuons à nous faire confiance de manière mutuelle. Et il y a une tentative, effectivement, de vouloir insécuriser la ville de Goma depuis un certain moment. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que, tant soit peu, la situation a été maîtrisée. Et nous observons maintenant que les attaques sont beaucoup plus signalées du côté de la ligne de front. Donc, comme on parlait de la criminalité urbaine dans la ville de Goma, aujourd'hui, ça a un peu baissé, on oui, peut dire. Oui, ça a un peu baissé. Il y a vraiment une avancée que nous pouvons constater parce que, avec le niveau que cela prenait dès le départ, aujourd'hui nous pouvons quand même jeter des fleurs à tous nos services de défense et de sécurité par rapport à ce grand travail qu'ils ont fait pour d'abord sécuriser la ville de Goma, bien que nous continuons à les encourager et à les soutenir pour récupérer toutes les zones aujourd'hui occupées par les rebelles du M23. Merci beaucoup, les dames et messieurs. Monsieur Christophe Mouissa, on revient un peu sur la sortie du gouvernement qu'on a entendu depuis plusieurs mois, qui n'était pas vraiment sorti le temps qu'on le voulait, mais bien que cela est arrivé un peu après. On parle de la nomination de Guy Mwandia-Vita au poste de ministre national de la Défense, qui s'est entretenu avec le ministre sortant, Jean-Pierre Bemba Angobo. Cet entretien, d'après certaines sources, que ça concernait la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour ne pas dire pourquoi le choix de Guy Mwandia-Vita à ce poste, ici on parle de ce défi qui entend Guy Mwandia-Vita à ce poste. Alors merci beaucoup, il faut dire que nous avons tous suivi la sortie du gouvernement, tant entendu, depuis près de 6 mois.
aujourd'hui et cela est arrivé enfin, mais cela a suscité encore de nouvelles suspicions, de nouvelles indignations au sein d'abord de la famille politique du président de la République, l'Union Sacrée, mais aussi dans les chefs de toute la population congolaise. Et là, je reviens d'abord sur la taille qu'a pris ce gouvernement. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre contre la réduction, pour la réduction du train de vie des institutions, parce qu'il y a une grande taille du gouvernement. Il y a également des ministères qui devraient être fusionnés, mais du coup, pour essayer un peu de satisfaire tout le monde, en tout cas, l'équipe a été encore très grande, 54 membres du gouvernement, plus la première ministre a fait 55, et tous ces ministres-là, ils ont droit d'être payés, et du coup, ça constitue encore un gouvernement budgétivore, et du coup, qui ne va pas permettre qu'il y ait cet équilibre social. En tout cas, nous continuons à dénoncer cela, et nous voulons assez qu'aujourd'hui, tous les ministres, en tout cas, s'ils peuvent comprendre, s'ils viennent réellement pour servir la nation, en tout cas que leur salaire soit divisé même à 50% comparativement au gouvernement Samalukonde, où nous avons appris qu'il y avait des salaires exorbitants allant même au-delà de 40 000 $. Donc nous leur demandons, nous leur demandons effectivement, en tout cas que ces salaires soient réduits sensiblement afin de les concentrer dans les secteurs clés, notamment la défense, la santé, l'éducation, l'agriculture et même les infrastructures routières. Donc, en tout cas, ça c'est une demande que moi je suis en train de solliciter auprès de la première ministre Madame Judith Suminwa et auprès du président de la République, qu'ils tiennent compte des priorités et des urgences qu'il y a au pays avec toute cette situation sécuritaire, avec de nombreux déplacés de guerre qui vivent dans des cas de déplacés et qui ont besoin des assistances humanitaires. C'est un point très important. Revenons maintenant sur la question du choix de M. Modianvita. J'ai appris, après avoir lu son cursus, que c'est un infirmier de formation, mais cela n'empêche qu'il pourrait avoir d'autres capacités ou d'autres séances de renforcement de capacités en matière de défense et de sécurité, parce que vous savez que dans notre pays, nous avons toute une école sur la gestion de la défense qu'on appelle CHESD, c'est-à-dire Collège des hautes études des stratégies de la défense et de la sécurité. En tout cas, s'il a des capacités pour ça, moi, je lui donnerai toute ma chance. Mais le risque ici, c'est que s'il n'est pas technicien ou stratège à la matière, ça risque de le compliquer. Vous savez, à l'arrivée de Bemba à la tête de ce ministère, ça a suscité beaucoup d'espoir. Parce que c'est un ancien rebelle, c'est un ancien vice-président de la République. Et du coup, on pensait qu'il comprenait beaucoup plus les enjeux militaires ou le rouage militaire de toute la situation de la sous-région. Malheureusement, il a fait plus de 8 mois là-bas, mais il n'y a pas eu de résultats. Par contre, nous avons constaté une certaine avancée des rebelles sur les lignes de front, bien que ce n'est pas de son rôle, parce qu'il n'est pas le commandant des opérations, il n'est pas le commandant suprême, il n'est pas non plus le chef d'état-major général. Mais il devrait se focaliser sur des réformes en matière de défense et de sécurité. Comme nous continuons à le décrier, que notre armée est infiltrée. Notre armée avait des difficultés en termes de logistique, en termes même d'armement, et nous étions effectivement frappés par l'embargo des Nations Unies. Mais tout cela aujourd'hui est déjà levé, et nous pensons que le nouveau ministre de la Défense, il a toutes les marges de manœuvre aujourd'hui, en tout cas pour réformer d'abord les systèmes de défense et de sécurité, mais aussi de nous rassurer que la paix et la sécurité seront une réalité dans notre pays. Parce que la paix n'est pas seulement la cessation de crépitement des balles, mais la paix, effectivement, c'est de sécuriser, donner la quiétude et la sécurité à ses citoyens, à son pays, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà un peu les défis que nous attendons, qui attendent les nouveaux ministres de la Défense, mais qui doivent être aussi réceptifs. Ils doivent écouter les gens, ils doivent écouter les techniciens en matière de guerre, et ils doivent être très sensibles en matière de communication, en tout cas pour prendre toutes les agitations en compte, afin que les Congolais puissent se sentir en paix et en sécurité, et qu'au bout de ces mandats, nous puissions en tout cas nous rassurer que nous avons eu un ministre de Défense qui était capable de nous apporter la sécurité tant entendue par le peuple congolais. Avant de revenir sur la situation dans l'Est de la République, là on parlera alors de la situation sur les lignes de front.
ici aujourd'hui, au-delà de parler de Guy Mwandia Vita, parlons-en un peu de tout le ministre. Quels sont les défis qui entendent ce ministre? Alors, les défis... Qu'est-ce que vous, les Congolais, aujourd'hui, vous entendez de ce ministre? Je l'ai dit. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, exactement? Je l'ai dit et je vais encore le répéter ici. Les défis sont tellement énormes. Et ce gouvernement doit travailler sur base des urgences. Parce que nous sommes dans un pays où tout est urgence. J'ai parlé ici d'abord de la sécurité des Congolais, dans la partie est de la RDC, avec cette guerre d'agression du Rwanda. Il y a une autre forme d'insécurité, c'est ce qui se passe au niveau de la capitale avec les Mobondo et cette tentative du coup d'État qui a été ratée, heureusement, dans la nuit du 29, je crois, du 19 au 20 mai. En tout cas, c'était une question très sensible en matière de défense et de sécurité. C'est aussi une forme d'insécurité. Il y a la criminalité urbaine, le banditisme urbain dans nos avenues, dans nos territoires. Le système Koulouna, effectivement. Il y a des mbororo dans notre pays et d'autres menaces qui pouvaient provenir, effectivement, du Congo-Brazza, de Centrafrique, de la Zambie ou même de l'Angola. C'est-à-dire notre pays est à la croisée des chemins où presque tous les pays, les 9 pays voisins qui nous entourent, sont des pays extrêmement pauvres et du coup ils ont toujours des velléités expansionnistes vers le Congo pour voir comment est-ce qu'ils vont se taper de leur part en fait de continuer à survivre. Tout ça sont des défis auxquels attendent ces gouvernements. Il y a aussi le plan social. Les Congolais ont du mal aujourd'hui à nouer les deux bouts du mois. Les Congolais ont du mal aujourd'hui avec cette crise socio-économique qui menace notre pays, avec l'inflation monétaire du taux d'échange. Nous sommes en face effectivement de notre défi environnemental avec le réchauffement climatique et les changements climatiques. Tout cela sont des défis qui attendent ce gouvernement. Mais si je peux revenir effectivement en ordre, en termes de priorité, les Congolais ont besoin de la paix, les Congolais ont besoin de la sécurité. Deuxièmement, les Congolais ont besoin, en tout cas, de leur amélioration des conditions de vie. Raison pour laquelle nous revenons encore sur la réduction du trait de vie des institutions. Nous ne voulons plus qu'il y ait un grand écart entre les salaires des ministres, des députés, les dépassements budgétaires à la présidence, des sénateurs et les salaires des agents et fonctionnaires de l'État, notamment les militaires, les policiers, les infirmiers, les enseignants et tous ces gens-là au fait qui se retrouvent comme des huissiers dans la fonction publique. En tout cas, s'il sera possible au premier ministre et à l'ensemble effectivement de tous les membres du gouvernement et à la présidence de nous publier une grille salariale qui nous démontre combien touche chaque agent et fonctionnaire de l'État, y compris tous leurs primes. Ça va nous aider à faire des comparaisons entre les budgets que nous avons, dont d'ailleurs 70% est consommé par les institutions politiques, et ce qui doit revenir en termes de priorité à la population congolaise. Parce que c'est inadmissible que nous puissions nous retrouver dans un pays où l'économie est trop basse, mais où les gens sont extrêmement riches. Il y a de l'impunité dans notre pays. Les injustices sociales. Heureusement, il y a notre collègue aujourd'hui, M. Constant Moutamba, qui est devenu le ministre de la Justice, qui doit sérieusement assainir les secteurs ou l'appareil judiciaire parce qu'il y a des magistrats qui se font corrompre. Il y a la justice qui se fait monnayer. Et aujourd'hui, les pauvres n'ont plus accès à la justice. Il y a une forte différence entre vraiment l'état des droits en termes réels par rapport au vécu des Congolais et l'état des droits en termes des discours politiques que nous assistons. Donc l'accès à la justice doit être fait à tout le monde. Mais nous ne le voyons pas aujourd'hui, il suffit seulement d'être en conflit avec quelqu'un qui est de plus nanti ou hautement placé dans les institutions, avec tout son trafic d'influence. En tout cas, vous aurez du mal à gagner un procès ou de vous en sortir auprès des cours et tribunaux. S'il vous plaît, nous avions aussi entendu par la voix des ondes que le ministre de la Justice aurait demandé à l'IGF de lui donner la liste de tous ces gens-là, les voleurs des derniers publics. Déjà cet acte-là, si c'est vrai, comment on peut qualifier déjà les départs? Bon, moi, beaucoup de gens estiment que c'est le sang chaud de la jeunesse. Effectivement, moi je n'aimerais... Il arrivera à bloquer. Qu'en dites-vous sur ça? Moi je n'aimerais pas non plus qu'il aille avec beaucoup de précipitation. Vous savez, la gestion ne dépend pas de la précipitation. Lui, il doit venir dans ses ministères avec tout un plan, des réformes d'abord.
Parce que vous savez, on ne peut pas venir avec beaucoup d'agitation pour faire des spectacles dans un tel ministère. C'est un ministère très stratégique parce qu'on dit que la justice élève une nation. Et pour y aller, il faut y aller en tout cas des détails en détail. Si vous pensez que vous pouvez tout embraser au même moment, c'est-à-dire qu'il va arriver un moment où vous serez bloqué, où vous allez vous cogner devant Emir et vous aurez du mal à vous en sortir. Donc pour moi, ce que je peux solliciter au ministre de la Justice, comme je l'ai fait avec le ministre de la Défense, où il doit y avoir tout un plan de défense et de sécurité, c'est le même cas pour le ministre de la Justice qui doit faire vraiment un certain état des lieux. Pour comprendre d'abord, parce que quand on est à l'extérieur, on pense que tout est possible. Donc, comme il est déjà dedans, il doit comprendre d'abord quels sont les méandres, comment est-ce que les choses évoluent à l'intérieur, et comprendre réellement quelles sont les véritables causes de ces problèmes. Parce que ici, on risque de nous en prendre seulement aux conséquences et aux problèmes, et on laisse les causes telles qu'elles sont. Est-ce que les magistrats sont mis dans de très bonnes conditions? Est-ce que nous avons d'abord le nombre demander des magistrats par rapport à toutes les juridictions attendues dans la République démocratique du Congo. Vous savez que dans notre pays, nous avons besoin au minimum de 10 000 magistrats en raison des magistrats par 10 000 personnes parce que nous avons 100 millions d'habitants. Donc il faut qu'on tienne compte de tous ces calculs. Est-ce que ces magistrats-là sont mis dans de très, très bonnes conditions? Est-ce que nous avons des parquets, des cours et tribunaux qui sont déjà construits? Vous voyez? Et puis, après avoir compris d'abord l'aspect opérationnel, c'est de là que nous pourrons maintenant revenir dans l'aspect structurel. Et c'est dans l'aspect structurel où tout peut se jouer, effectivement, en faisant appel à ce qu'on appelle les états généraux de la justice, pour que vous puissiez acquérir les avis et les considérations des prestataires de la justice, et maintenant commencer avec les réformes profondes dans ces secteurs-là. Mais si vous y arrivez avec beaucoup de précipitation, vouloir récupérer les dossiers, peut-être que vous ne comprenez pas, en tout cas vous risquerez d'être bloqué, et ça ne va pas lui permettre d'avancer. Donc pour moi, je lui demande de garder son mal à la patience et de commencer petit à petit pour comprendre les secteurs sécuritaires, comment est-ce que ça évolue. Parce que dans les secteurs de justice, il y a la justice militaire d'une part et il y a la justice civile. Mais tout s'appelle la justice, mais le patron, c'est le ministre de la Justice qui a le pouvoir d'injonction dans chaque... dans chaque juridiction ou soit dans chaque dossier. Donc à son niveau, je lui demanderai d'être un peu plus sage, d'évoluer avec ses dossiers de manière calme et surtout qu'ils prennent du temps pour comprendre comment est-ce que les choses se font, est-ce que les magistrats, les prestataires, les justiciables, est-ce que tous ont accès équitable à la justice, mais tout dépend également de leurs conditions de vie, de leurs conditions de travail, mais aussi des perspectives et des lois qui doivent être mises à leur disposition pour nous apporter effectivement cet état des droits. Déjà, les jeunes vous déclaraient depuis longtemps qu'il a fallu aussi que les jeunes accèdent à des postes pour voir comment est-ce qu'ils vont changer. Est-ce qu'on peut dire déjà ça, c'est le test du départ pour voir si la jeunesse réellement est-elle capable à réaliser, à faire le changement, à amener le pays de devant. Je rappelle aussi que l'actuel ministre de la Jeunesse, c'est parmi vos collègues avec qui vous avez lutté ensemble. Oui, effectivement. Aujourd'hui, vous êtes déjà là. Est-ce que c'est le départ de la jeunesse? S'il vous plaît. L'essentiel n'est pas seulement d'être dedans. L'essentiel, ouais, seulement n'est pas d'avoir un poste. L'essentiel, c'est d'avoir été préparé. L'essentiel, c'est d'avoir des compétences nécessaires parce que les compétences sont d'attribution. Le fait d'être jeune ne vous donne pas directement l'avantage de briguer un poste et de l'avoir. Il suffit aussi de le prouver en termes de capacité, raison pour laquelle moi... Vous avez été avec lui dans la... Oui, nous étions avec beaucoup d'ailleurs qui viennent d'être nommés dans ce gouvernement et nous connaissons leur capacité de faire. Mais comme je l'ai dit, les systèmes aujourd'hui semblent être plus forts que les individus. Et du coup, entrer dans un tel système et venir avec beaucoup de précipitations, c'est là qu'ils ont vécu dans les systèmes, ils ont fait pourrir les systèmes jusqu'à arriver au niveau où ils sont maintenant les ténors, les architectes de la médiocrité. Ils ne peuvent pas vous laisser la tâche facile de pouvoir apporter des réformes de manière précipitée. Raison pour laquelle moi je demande à mes copains jeunes, en tout cas de prendre leur temps, parce que ça ne sert à rien de courir pour aller se biter devant un obstacle là devant. Moi, je leur sollicite, en tout cas, de se focaliser sur le travail, sur la compétence, mais aussi sur le professionnalisme. Parce que j'estime qu'ils ont été pris pour leur spécialisation, mais aussi, ce n'est pas une question de récompense, ce n'est pas une question d'avoir fait les djal et le consort, mais c'est parce qu'effectivement, on a vu quelque chose dans leur tête qu'ils peuvent maintenant apporter pour servir la nation. Parce que, ici, c'est une question d'intégrité et de
de compétences à la République et non une question de loyauté ou bien de fidélité à une quelconque autorité. Raison pour laquelle, en tout cas, moi, je suis en train de lire parfois certains messages de félicitations et je me dis non, on ne peut pas quand même féliciter quelqu'un avant qu'il ne commence à prester. Nous les attendons au tournant, nous attendons leur gestion. Ces communautés, effectivement, ils sont parfois hypocrites. C'est de l'hypocrisie. D'ailleurs, le ministre de la Justice doit éviter ce genre de pratiques parce que ce sont des pratiques, au fait, qui font aussi la promotion du tribalisme dans notre pays. Quand quelqu'un est déjà nommé ministre, il n'est pas nommé ministre d'une communauté. Il est nommé ministre d'État, ministre du pays, il n'est pas ministre d'une communauté. Donc, toutes ces communautés qui font un peu de semblant, de chantage autour des ministres quelconques, en tout cas, moi, ce sont des actes que je suis en train de condamner fermement et que nous devons vraiment avoir toute une loi qui interdit ce genre de félicitations communautaires ou interprofessionnelles pour essayer un peu de flouer, au fait, de maquiller l'autorité alors que la République l'attend au service. Vous commencez déjà à fêter ou à festoyer alors qu'il a des grands défis en face de lui et il n'a pas besoin d'être félicité pour ça. Il sera félicité en termes de bilan qu'il aura à présenter devant la population congolaise s'il a réussi ou pas. Alors, on va finir par ici. Dans deux minutes, juste deux minutes, nous n'avons plus beaucoup de temps et ça sera la fin de cette émission sur Congo Live Télévision. Monsieur Christophe Mouissa, sans trop parler de tout ce qui s'est passé dans les territoires de Masisi, par ici on va chiter. Après des rites combats, le FARDC continue à protéger la cité de Kanyabayonga. Il faut bien le préciser, là je souligne. Nous avions entendu que la MONUSCO aurait arrivé à Kanyabayonga. Pendant que la même MONUSCO est dans le processus de sa retraite, nous attendons encore que la MONUSCO revienne. Pendant que la même MONUSCO à Kiwanja a laissé une base très importante aux rebelles du M23, la même MONUSCO qui a fait tomber la cité de Rwindi, comme déclarent plusieurs analystes indépendants. Alors, l'arrivée de la MONUSCO à Kanyabayonga, vous êtes acteur de la société civile, qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, depuis que la MONUSCO est là, je n'ai jamais cru que cette MONUSCO nous amènerait la paix. Je l'ai dit et je le répète aujourd'hui, que les seules forces aujourd'hui qui peuvent nous apporter la paix et la sécurité s'appellent les FARDC. Ce sont ces jeunes, aujourd'hui, dans l'armée, qui ont juré de se battre et de mourir pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Ils se sont ajoutés effectivement nos compatriotes résistants, les Wazalendo aujourd'hui, qui se battent et dont leur travail est à féliciter et à louer aujourd'hui, parce que ce sont véritablement des héros que nous continuons à encourager. Mais penser que la MONUSCO effectivement pourrait nous aider à avoir la paix, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont ici, ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi aujourd'hui, lorsqu'ils sont en pleine retraite, en plein retrait progressif, comme on est en train de le dire, qu'ils doivent venir nous aider en pleine guerre. Ils ont cédé la position de Kimoka dans les territoires de Masisi ici, au M23, en pleine guerre, alors que nous étions dans une opération conjointe appelée Springbok avec E. Et moi, je doute encore que si la MONUSCO s'implique dans cette guerre, au niveau de Kanyabayonga, il y a de grands risques que nous puissions perdre cette cité stratégique aussi dans les jours à venir. Donc, le plus rapidement possible, il faut que les FARDC prennent leurs responsabilités à main en disant à la MONUSCO, merci beaucoup pour cette petite aide que vous nous avez apportée. Vous pouvez vous retirer et nous laisser seule la protection de la cité de Kanyabayonga. Parce que qu'est-ce qui a justifié au fait aux M23 de s'en prendre à la partie nord du territoire de Rutshuru en allant vers Kanyabayonga? C'est parce qu'ils ont enregistré de lourdes pertes au niveau de Masisi. Ah, et du coup, ils se sont dit, nous sommes en pleine débandade. Comment est-ce que nous allons faire? Il faut que nous puissions déclencher une autre attaque au niveau des positions de Kanyabayonga. Et c'est de là que ça a créé un peu de... Comment est-ce que je vais dire? D'étouffement dans la population. Il y a ici une certaine ébullition et une débandade, au fait. Et la population, en tout cas, a commencé à courir parce que les forces armées de la RDC étaient concentrées beaucoup plus dans les Masisi. Et du coup, comme ils ont enregistré de lourdes pertes dans les Masisi et dans les Rutshuru, les images sont en train de circuler. Je ne suis pas en train de mentir. Ils ont été obligés de s'attaquer maintenant aux positions qui étaient vers la Rwindi, allant vers le Mabenga, pour Mabenga, vers Kanyabayonga. Mais, en tout cas, ils ont eu encore une forte résistance de Wazalendo et des FARDC avant que la MONUSCO ne vienne s'interposer pour essayer un peu aussi
de récupérer cette victoire de nos jeunes résistants et des FARDC. Mais en tout cas, cette cité est entre les mains des FARDC et les M23. Je solliciterai à ce que la MONUSCO se retire de cette cité et de ces opérations pour qu'on laisse les FARDC continuer à se battre contre les Rwandais. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Donc, nous vous disons merci de votre fidélité. C'était Christophe Mouissa, acteur de la société civile. Muzalendo de Natir, Bayeyo, Babenga Maka Bazalendo, Yazamoko ya Bazalendo. Monsieur Christophe, on va finir avec votre numéro. Alors, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs. Mon numéro, c'est le +243 99 83 35 860. Merci, mesdames et messieurs. Excellente journée à vous. Bon début de semaine chez vous. Prenez bien soin de vous. Et à demain pour d'autres actualités. Merci.